Chers téléspectateurs de Saint-Léon TV, nous en direct depuis Pompano, dans le cadre de funérailles pasteur Franzi Joseph. Et côté dans la salle de tous les téléspectateurs de Saint-Léon TV, Guiwewe, Guiwewe Radio 1, Fusion et Radio Ambiance, toute radio partenaire, nous comptons pour nous ensemble avec nous aujourd'hui là, mais nous dans le cadre de funérailles. Pasteur Franzi Joseph, qui était fait dans la Côte Saint-Louis 3 février 1972, et lui-même qui était décédé le 22 décembre 2022, lui-même qui mourit à l'âge de 52 ans. Et Pasteur Franzi Joseph, c'est un monde vraiment là qui était
well known dans la côte Saint-Louis du Nord, à Port-de-Paix. Et côté, c'est un professeur, c'est un pasteur, vraiment. Et ça fait nous mal et nous perdons un membre qui est très important, qui est très influent, mesdames et messieurs, dans la coupe Saint-Louis du Nord. Et côté nous présents, jeudi là, dans la coupe Pompano, côté nous venons rendre un dernier hommage à pasteur Fondi Joseph. Et nous avons demandé des amis capables de partager la vidéo, nous capables d'inviter des amis de Fanti pour capables suivre. Et live ça jeudi, et la première c'est notamment l'ingénieur Stanley lui-même qui permet que nous capables bien sonner et nous sommes capables de garder nous un peu partout. Et nous demandons nous capables de continuer à partager la vidéo, nous capables d'inviter des amis de Fantic vraiment pour capables suivre live ça, mesdames et messieurs. Merci bien, ingénieur Stanley. Avant de débuter le service, là, nous avons que tout le monde a checké le cell phone pour mettre le sous silence. Ou bien si vous n'avez pas un monde qui fait partie de la docteur, un qui a fait du feu, la police, ou capable de mettre le off pour ne pas troubler le service. Là. Parce qu'il y a tendance pendant le service pour plus le téléphone a sonné ici et là. Nous avons demandé nos temps pris. On téléphone nous pendant une minute ça. Et mettez-vous sous silence. Before we begin with the service, we would like you to check your cell phone. Please put them on silence or turn them off completely.
If you are not on call, you are not part of the fire department, you're not a doctor, there is no need to have your phone on during the service. Please do so now. Bien-aimés, dans sa sage providence, Dieu a jugé bon de rappeler à lui notre bien-aimé Franzi Joseph le jeudi 22 décembre 2022 à l'âge de 52 ans. En ce moment de profonde tristesse, cherchons le réconfort dans la parole du Seigneur. Prêtons l'oreille à cette parole telle qu'elle est écrite dans le livre de l'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et Dieu lui-même sera avec eux et ils seront son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. On nous campe pour l'invocation, la prière d'invocation. Seigneur, tu es Dieu. Tu as tout fait par ta main puissante. Tu as décidé de l'entrée de Franzi dans l'existence. Et il a plu à ton amour de l'appeler. Nous sommes ce matin en ce lieu pour célébrer ton nom et pour méditer de sa vie et commémorer sa mémoire. Nous prions, cher Seigneur, que tu reçoives ce que nous sommes venus t'offrir. Donne au Père que tout se passe de façon à ce que ton nom soit honoré.
Nous prions, cher Seigneur, que tu donnes à tout un chacun ici présent de réaliser combien il est bon, tandis que nous sommes encore dans cette vie, de penser au véritable sens de la vie et de penser surtout à la provision que tu as faite, Jésus-Christ. Nous te demandons, cher Seigneur, de permettre que tout se fasse pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, non que nous en ayons le mérite, nous ne sommes que pécheurs. C'est au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Pendant que nous debout, on a chanté, il est un roc séculaire que Dieu, pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire, au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours de la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Gagner avec pasteur Hector Clairvaux, seigneur pasteur de l'église ça, pasteur en chef de l'église baptiste de la rédemption. Lecture, psaume 39.
m'a fait lecture là pour nous-mêmes en français et va projeter en anglais for the English speakers. Je disais, je veillerai sur ma voix de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que se sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche. Car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sur les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la taille ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Nous prenons le chorale de l'Église baptiste de la rédemption, chorale l'Église ça. Qui va aller interpréter un numéro qui vient pour titre Matelots en voyage. C'est chanté ça. Matelots en voyage.
Pour aller qu'on y a les éloges funèbres de Eulogy. Et en première partie, nous allons gagner lecture, la vie, parcours, pasteur Franzi Joseph, les bras faits par sœur Armide La France, qui est une cousine qui te remet Franzi en pile, et que Franzi te remet en pile tout. Donc, Armide, c'est vous-même, et ensuite, nous allons gagner les propos du pasteur Yvener Deliard. Ça, c'est une sorte de l'image avec Franzi et David avec Jonathan. Tellement monde, ça a été vraiment close. Et ensuite, pasteur Fanier Justima, coordonnateur des églises de l'UEBH, que l'église pasteur Franzi t'es fait partie de lui, dans celle du Nord, pour aller pour prendre la parole. La première partie, ça. Bonjour tout le monde. Parents éplorés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, enseignez-nous à bien compter nos jours, s'écriait l'homme de Dieu, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Cette prière de Moïse nous invite tous à méditer sur le sens et la durée de la vie, de notre vie sur terre. Personne de la famille et de tous ceux qui connaissaient, pratiquaient, Franzi n'oserait penser que l'on devrait ce jour-ci rendre un dernier hommage en sa mémoire. Combien courte est la vie de l'homme de ce côté du soleil. Franzi Joseph est parti. Qui est celui qui nous a quittés? Né le 3 février 1970, des œuvres de Saint Franz Joseph et de sa femme Elisabeth Frédéric. Il est le troisième d'une fratrie de 9 enfants. Deux termes résumaient sa vie: préparation et service. Franzi a fait ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne de Saint-Louis-du-Nord, école Lamennais, où il s'est vite remarqué par une intelligence extraordinaire. Ses études secondaires terminées au collège Les Normaliens Réunis, Franzi a étudié les sciences économiques à l'IHECE, Institut des hautes études commerciales et économiques, puis les langues modernes à l'École normale supérieure de l'UEH, Université d'État d'Haïti, et la théologie au STEP, Séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Ce parcours s'est effectué non sans de grandes difficultés, surtout avec le départ prématuré de son père. C'est aussi durant le temps passé à Port-au-Prince, à l'église Tabernacle, à l'avenue Christophe, qu'il a rencontré Maga, qui ne pouvait sous aucun prétexte résister à son pouvoir de charmer, et peu de temps après, ils se sont dit oui jusqu'à la mort. Franzi se croyait fait pour servir. C'était sa passion. Dès son plus jeune âge, on le retrouvait à l'église Baptiste Mitzpah de Saint-Louis-du-Nord, membre du groupe Cœurs Unis. Qui ne se souvient pas de ses performances à titre de compositeur et chanteur? En nous vive Aksak Pakavivio, c'est Fren Akson Yoye. Pas oublier, yo tout besoin vivre.
aidez nous. En nous suspendant vivre dans le gaspillage, songez à ce qui est dans la misère, etc. Ce texte résume à lui seul la dimension d'âme de Franzi. Il aimait. C'était un vrai philanthrope, un rassembleur. C'est l'homme, l'ami, le conseiller de tout le monde. C'est le pasteur de ses brebis, et que sais-je. Franzi a servi son Dieu comme membre engagé à l'église Baptiste Mitzpah de Saint-Louis du Nord, au groupe Cœurs Unis et comme président de la jeunesse. Il a desservi l'église évangélique de la Croix Saint-Joseph de Port-de-Paix, église relevant de l'UEBH, Union évangélique baptiste d'Haïti. Il a fondé et dirigé pendant 10 ans la congrégation New Life Baptist Center. Franzi était toujours à la recherche de l'aide dans le seul but de servir les autres. La cantine pour les enfants de sa congrégation en est un vivant exemple. Il voulait réaliser 2 choses qui le tenaient à cœur. L'anniversaire de la première décennie de son église New Life Baptist Center et une rencontre avec tous les membres de la famille et du côté paternel et du côté maternel en vue de resserrer les liens familiaux. Mais la mort, la jalouse l'a enlevé à notre affection. La mort le tient. Là, mort sous nos yeux, laissant dans la tristesse sa femme, Madame Margaret George Joseph, son fils, Gardi Joseph, sa fille Victorine Joseph, sa mère veuve, Elisabeth Frédéric Saint-Franc Joseph, ses frères et sœurs, Suze Roselor, Osnirva, Roseland, Amos, Obed, Shadrach, Jobert France, ses nièces et neveux, Nathan, Neftali, Laël, Joseph, Wens, Hilary, Wade, Jade, Jaden, ses cousins et cousines, Hugo, Smith, Linda, Colin, Hermit, Kelvin, La France, Raymond, Sandra, Hermit, Lacroix, La France, Matt, Loris, Luxon, Kelly, Gladys, Josué, Miladine, Isley, Objelus, Uroni, Imoz, Jeannette, Edith, Rodnive, ses amis, Eunode, Echota, Pasteur Yvener Delia, Pasteur Job, Félicité Charles, Esther Charles, ses cousins, ses cousines, et Pasteur La Rose et famille, Pasteur Clairvaux et famille, et avec toutes amies Franzio, toutes membres UEBH, toutes membres dans toute l'église Saint-Louis du Nord, tout le monde qui te connaît Pasteur Franzi, te connaît Pasteur Franzi, c'était un bon monde. Nous voyons condoléances avec l'équipe Juventus, avec membres Cœurs Unis. Nous disons tout le monde merci qui est venu là avec nous. Que nomme Pasteur Franzi, reposez en paix. Merci.
pour toute année que ma part vive, si il y a un temps qui est plus difficile, c'est Younayo. Avec Pasteur Franzino, nous connaissons l'autre depuis l'année des jeunes, a grandi l'école primaire, nous faisons l'école secondaire ensemble. Et nous avons décidé que nous devons vivre trop loin l'un avec l'autre, de temps en temps, c'est pour monter, descendre, pour venir à la caille. Nous ne sommes pas capables de venir à la caille tellement plus tard, so, nous décidons pour nous habiter dans la même caille. L'été l'école, dans un collège, maintenant, il y a un collège différent. Nous trouvions trop difficile pour les étudier pour ne pas trop loin avec l'autre. Nous venons dans même l'école. So, nous grandissons ensemble et faisons tout le temps nous ensemble à Port-au-Prince. Ça que moi envie que nous kembe de Pasteur Franzi, ce n'est pas seulement zami, nous tes amis. Mais nous réveillons leur côté maman Franzi pas qu'à distinguer est-ce que c'est petite limier, est-ce que c'est petite limier, est-ce que c'est pas petite limier. Et maman moi tout gain difficulté pour capable pas prendre Franzi comme une petite garçon qu'elle gagne. Nous sommes close, nous toujours ensemble. Depuis gain difficulté, la famille Pasteur Franzi, c'est difficulté pas moi. Depuis qu'il y a un event, n'importe salaire, c'est pour moi. Et moi-même, avec Pasteur Franzi, nous partager la vie comme ça, nous grandissons ensemble. Une dernière remarque qui m'a fait de Pasteur Franzi, c'est l'heure que Pasteur Franzi est plus âgé. Nous grandissons ensemble, nous pourquoi pasteur, qu'on y a nous tous devenus pasteur. Ça vient ajouter l'autre limite que nous gagnons en tant que amis. Il vient ajouter l'autre connaissance que nous devons affranchir ensemble, l'autre sagesse que nous devons partager ensemble. Pasteur Franzi a besoin de prêcher, le lakay moi, il dit, il pas un message. Il dit, ok, bon, mon petit temps, mal prié, et puis l'aime sorti prier, nous choisissons le message ensemble. Moi, bali squelette pour le message là, et puis lui-même, il achevé, il finit avec lui. Nous vivons ensemble, c'est tant que nous sommes dans la même chambre, nous sommes tous prêts l'un avec l'autre. Et WhatsApp vient rendre la tâche là encore plus facile pour nous capables de parler sans limite. Moi, tombé malade, ça va bien longtemps, ça a bien un an de cela. Il était tellement difficile pour la famille, pas moi, je n'ai pas pu être avec moi tout le temps. Il était difficile. Pasteur Franzi, qui était madame, ni, nous demandons madame ni permission, madame ni bal permission, li quitter petit li, li quitter l'école, li quitter l'église là, li venir pour le rester avec moi pour prendre soin moi la caille. Le temps c'est li pleuvait me mettre me chita pour mettre me dans toilette. L'aime fini dans toilette là pour me reler pasteur Franzi pour me dire me fini et puis pour venir lever me dans toilette là parce que c'est li te gros garçon. Et c'est même ça que vous regardez là. Ce n'est pas quarter ou bien half. Vous voyez bien moins. Hein? Parce que l'aime vient ou elle plus tard manque disposé. Comparé à Mounsa qui était ensemble avec moi, qui t'a pris soin moi. Ça le fait tout le temps ensemble avec moi et prend soin moi. Par le temps, Pasteur Franzi qui témoin, moi conduit Pasteur Franzi sorti en Fort Lauderdale aller à Palm Beach. Je conduis machine pour compte moi. Je monte escalier pour compte moi. Le pasteur Franzi quitte moi, il quitte moi, je suis capable de faire tout le bagaille, je retourne au travail, il quitte moi. Pasteur Franzi toujours, moi avec lui, nous avons l'intention pour nous ouvrir business ensemble. Ça va bien longtemps tout, année 2022. Je n'ai l'argent, je vais quitter mon lakay moi connaît, parce que je connais malade, je vais quitter l'argent. Donc, je vais quitter mon lakay tout. Il va gagner la foi. Sur moi, j'ai plus la foi parce que on va quitter au connaît. Moi, voyais l'argent par Pasteur Franzi. Pendant que je voyais l'argent par Pasteur Franzi, Pasteur Franzi, petite fille malade. Pendant le malade, il entre avec petite fille Port-au-Prince et il dépensait l'argent. C'est normal. Il va pas besoin de dire ça. Pasteur Franzi tombait malade. Il va voulu me connaître qu'il est malade. Il va dire ça. Je parle avec lui, il dit moi comment petite fille et pourtant l'hôpital là tout les interné. Il va dire ça parce qu'elle connaît des malades, il va dire que ça affecte moins trop pour ne pas retourner travailler encore. Ça ne va pas dire ça.
Et pendant ce temps, ça, l'elle vini la caché pour l'albostan, sans pas quitter moi, m'a en surprise. Mal percé sous le tout par accident, l'elle m'a dit, je c'est half moon game de connaître. Tellement qu'il est malade pour le prince, il ne peut pas le quitter, je connais ça. Parce que Fonzi prend tout l'argent de vos ébalia, il dit, pap, albostan, ça qui pas bon l'argent. Il va moi tout l'argent. Et yon va quand même dire, sou le pasteur Hector capable de servir avec vous comme non son bon garçon. Si pasteur Hector capable de servir avec vous, je vais répéter ça encore, comme non son bon garçon. Pasteur Fonzi, tu as une intégrité la kaili. Ou tu as fait confiance avec l'argent. Si le bagage pas fait confiance, il parle en pile. Il toujours met him in trouble. Bon, ça pas fait rien. Nous toujours résoudre problème yo. Le gen yo. Si si gon bagay m konnen ke Pasteur Fonzi bon mwen comme charge, so gen litige, gen querelle, ki se mwen responsable. Li gen problème avec yon moun, yon mam pwami mwen, li rele mwen. Non, c'est pas li rele mwen. Mam pwami li rele mwen. Et li garantim ke ça fait vrai. Le malé, m rele pas, m di nan ki sa mete m la. Et puis nous parler. M di ki sa vle m faire. Il va dire, moi, mal prié. Parce que mal prié, et bon Dieu dit, moi, je prie le pasteur, mais je dis pasteur. Je prie le pasteur, je dis pasteur, mais ça, bon Dieu dit. Je vais rentrer, je vais payer un ticket, et je ne vais pas payer un ticket à vous. Je vais payer un ticket à vous contre. Et là, je rentre, mais qui sera dit, mais qui sera fait. Pasteur rentre, il résout le problème. Non? Et nous, tous les familles, nous avons toujours été ensemble. Moi, j'ai envie de faire un monument, mettre Saint-Louis du Nord pour Pasteur Fonzi. Et il a mérité là. Jeune monde capable de comprendre qui mon Pasteur Fonzi était. Ce n'est pas seulement mon l'église qu'elle était utile. Pasteur Fonzi a payé l'école pour mon Port-au-Prince sans que madame ne connaisse. Il a payé l'école pour mon qui dans l'université à Port-au-Prince. Moi, je connais. Je ne dis pas ça. He was a good, a human being. Gen bon moun toujours. Gen bon garçon toujours. Pasteur Franz était seulement un bon ami pour moi. Mais ton bon mari tout. Pasteur Franz était un bon papa tout. Il était un bon frère pour ça qui était l'église. Il était un bon pasteur pour ça qui était pasteur ensemble avec lui. Legacy, impact que Pasteur Fonzi qui était dans la vie, pas personnellement, et dans la vie, l'autre monde, rend tâche là, rend qu'on ne peut pas oublier l'oreille. On ne peut pas oublier. That's my friend. Pasteur Fonzi, bien avec madame moi, avec Timoun là, quand moi, tant que c'est petit lié. Yo vini. Sarah, qui est là ensemble avec nous, Sarah capable de camper moi, première fille moi, avec toute madame moi là. Ça c'est Samuel qui campait derrière moi, pas de pour pas monter, mais un gros garçon. Pasteur Fonzi c'était gros garçon tous, Sarah ensemble avec eux. Sarah vini le changer nom Pasteur Fonzi. Et ben Pasteur Fonzi on l'autre nom. Ça c'est nos personnels parle avec Pasteur Fonzi. Pasteur Fonzi était là quand moi sans papa sa famille l'a dit. Yep. Papa. L'église Pasteur Fonzi premier instrument c'est Pasteur Hector avec Pasteur Caleb. Instrument pour commencer l'église. So même gens prend Pasteur Hector comme cousin Pam parce que c'est cousin Pasteur Fonzi, lui il prend Pasteur Caleb comme grand frère et Pasteur Caleb pas qu'à dire rien avec ça. Il n'y a pas qu'à changer. Même si vous avez un compte, il n'y a pas qu'à durer pour longtemps. Il n'y a pas qu'à faire rien avec ça. Nous avons carrément un pasteur Fonzi dans la formule envoyée. Girlie, est-ce que Girlie là? Presque fini. Girlie là, my sister. Girlie malade, non, mais moi, pas au prince. On dit oui, I'm in trouble. Je me relève papa, papa était à New York. Je me dis papa,
gen li malade, yo di semble maladie ayon maladie bon Dieu. Papa m di m pense nou te konverti, oui. M konnen se pasteur nou di nou ye. Et puis m di ok. Nou ferme l'école, moi avec pasteur Franzi, nou fon jeûne, nou jeûne yon semaine. Et pasteur et sœur moi guéri jodi a. Pasteur Franzi prend il mettait la caille. Dormi moi même moi dormi la caille pas. Get up m'étudier, temps pour dormir. He was a good man. Ou ka fè confiance avec famille moi avec ti sœur. Nous te gen limite que m'pap marié avec seul, li pap marié avec sœur. So même son moun tawel ensemble avec sem, on moun tawel seul ensemble avec moi, c'est veille m'a veillé yo. Yes. For those of you who do not know Pastor Frenzy, he was my friend and he is still my friend. The marks of his life in my life, in my family's life, that will never be erased. He will stay a friend. He will stay a brother. He will stay a pastor. He's lovable. He has a heart. He knew how to forgive. And how to receive forgiveness from people. Et si grand temps, today, nous avons une famille que nous avons un problème avec l'autre, this is the best time pour nous réconcilier une avec l'autre for the sake, pas pour Pasteur Franzi. Parce que s'il était là aujourd'hui, c'est ça qu'il t'a demandé pour aujourd'hui. Nous connaissons, nous souffrons, moi souffre tout. Il est un bon ami. Il est un grand homme de Dieu. Et peut-être ça, n'a toujours dit famille, ou bon pas qu'être l'autre famille qu'on pas connaît, mais que Franzi ba ou qu'on pas connaît, qu'on pas qu'être vous rencontrer avec eux. Et me dit reste famille, merci parce que tu as accepté moi tout pour tout temps ça. La famille m'a prêté, la famille là, on pas faire un pas, moi pour mettre nous ça. Thank you. Mesdames, Messieurs, membres de la famille éplorée, frères et sœurs dans la foi, nous sommes une délégation de l'UEBH composée de pasteurs Alseguer Gaétan, Kelly Joseph, Daniel Lui, sœur Marie Suzy Lui, et de votre serviteur Fanny Justima, coordonnateur des églises de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Je prends la parole ici aujourd'hui à ce sanctuaire au nom de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH, la mission à laquelle est attaché ce serviteur de Dieu, Franzi Joseph, comme pasteur depuis plus d'une vingtaine d'années, pour lui dire un dernier hommage par le fait qu'une mort véritablement foudroyante vient de l'enlever à l'affection des siens, plus particulièrement sa femme Margaret Georges, ses enfants, sa mère, ses frères et sœurs, ses collègues pasteurs de l'UEBH et les frères et sœurs de l'Assemblée qu'il dirigeait à la Croix Saint-Joseph Port-de-Paix et de New Life Baptist Church à Saint-Louis-du-Nord. Pasteur Franzi Joseph est entré tout de suite au ministère après avoir reçu sa licence en théologie au STEP
Il a été choisi comme assistant pasteur à l'église baptiste Mont-Tabor à la croix et de la croix à Port-de-Paix. Après une courte durée, on a procédé à son ordination au pastorat en juillet 2004. Il a été également professeur au lycée de Saint-Louis-du-Nord et dans d'autres collèges de la ville. Au nom des membres du comité exécutif de l'UEBH, au nom des membres du bureau central de l'UEBH, au nom des leaders et des frères et sœurs de l'église évangélique baptiste Mont-Tabor de la Croix à Port-de-Paix, dont pasteur Franzi était le titulaire, au nom des pasteurs de la conférence des pasteurs de l'UEBH, nous adressons nos sympathies chrétiennes à sa femme, Margaret George, ses enfants, sa mère, ses frères et sœurs, ses parents et amis éplorés. Membre de la conférence des pasteurs de l'UEBH, pasteur Franzi se montrait toujours un homme humble, courtois, attentionné aux problèmes des autres. C'est avec une tristesse profonde que les pasteurs ont reçu les nouvelles de sa disparition. Il est tel homme qui ne meurt jamais, tant qu'il s'est investi dans la vie des milliers de personnes de tout âge. Un tel homme, je vous le dis, ne meurt jamais, mais se repose de ses durs labeurs. L'apôtre Jacques a bien dit, l'homme est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Face à la mort humaine, la nôtre et celle de nos proches, chacun de nous se tient d'un cœur bouleversé, l'intelligence étonnée et l'œil triste. Pour nous tous, la mort de pasteur Franzi est un choc. Si, selon le psalmiste, le nombre de nos jours est de 70 ans, 80 pour les plus robustes, alors les 52 de pasteur Franzi sont vraiment au-dessous de la moyenne attendue dans une vie humaine. Toutefois, nous avons appris depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que la mort est un passage obligé. On ne peut l'éviter. Il y a tant de bonnes occasions qu'on peut rater dans la vie, mais pas la mort. Nous redoutons tous le pouvoir mystérieux de la mort. Peut-être par crainte de la mort, les êtres humains préfèrent de ne pas y penser ou la repousser. Nous imaginons qu'elle frappe les autres, mais pas nous. Elle prend le roi comme le mendiant. Elle ne tient pas compte des barrières sociales. Elle prend le riche dans sa belle demeure et le pauvre qui erre dans les rues. Elle tient le dernier souffle de vie d'un vieillard de 120 ans et n'a pas pitié d'un nouveau-né. Personne ne peut se soustraire à la mort. Devant l'appel de Dieu, se taisent toutes les remarques et toutes les histoires humaines. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs dans la foi, difficile d'accepter la disparition de proches, difficile quand elle survient avec autant de soudaineté. L'UEBH pense particulièrement à la peine ressentie par les proches parents de pasteur Franzi, ses amis, ses fidèles et particulièrement sa femme Margaret et ses enfants. L'UEBH croit fermement que le Seigneur a fait appel à son serviteur et nous espérons le revoir un jour. Au son de la trompette, nous serons tous ensemble réunis dans la patrie céleste. Que le Seigneur vous console et vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons gagner un hommage musical qui va rendre à pasteur Franzi Joseph. C'est par deux entité musicale. D'abord, le groupe Cœurs Unis, qui les mêmes, c'est un groupe que pasteur Franzi a joué un gros rôle là-dedans, pas en tant qu'instrumentiste, musicien,
mais en tant que compositeur, ou plutôt auteur des paroles. Et d'après ça m'entendez, c'est des paroles qui vraiment gagnent en pile sel là-dedans. Bah, bon goût. Donc nous allons gagner groupe ça, et nous allons gagner Ben Sax qui va jouer après groupe ça, et It Is Well With My Soul, que nous tous connaissons, pas de mal ou non moins en criant. Nan mouman de tristesse sa, nan desan ekstremman ba, devan a tout fwè avèk sè, a tout zami, a tout elev, a tout kondisip Pasteur Franny Joseph, trè spesyalman a fòmè lan ki joun jodi a ki nan go refleksyon. Goup le Kèz Uni, ki la avèk nou la, ki soti un peu partout nan peyi a la, nou rejwen ansanm, nan gwo okasyon sa, men minister Pasteur Franny soti la. Nap eksplike nou rapidman, nou gen papa li, Frè Saint-Paul Joseph, li jwen avèk mwen, kom papa, le Kèz Uni. I ti, please, pale avèk Franny pou mwen nou. Mwen si te ka patisipe ap, mwen se sport, se football. Mais il n'y a pas gagné à revoir dans la fin de l'église. Mais les bons dire l'eau dans le ministère, donc la prendre est facile pour vous. Il n'est pas facile pour me gagner un frère Franzi qui joue aujourd'hui à qui pasteur. Donc, parlez, je gagne, monsieur. Non seulement je gagne, donc je souhaite gagner un frère Yvina de Ilala qui pasteur également. Si vous suivez la parole de frère Yvina de Ilala, côté de l'Union, il faut que vous allez aller. Frère Yvenet Delia, quand il y a M. Vignon, disciple, qui a fait un monde qui n'est pas d'accord pour entrer dans les États-Unis. Moins gagné. Donc, vraiment, donc, je suis parti, je quitte Haïti, je suis rentré ici. Pour me quitter les États-Unis, je me dis, je ne suis pas capable de diriger le problème. Je me dis, je ne suis pas capable. Nous faisons un paquet de leçons ensemble avec monsieur, et qui permet qu'on ait un jeune jeudi là. Donc, monsieur, mwen ka di msye briye an pi nan mitan Kèz Uni, mwen pou kon jam renkontre yon segon kote Frè Franny li men li nan fache. Ak tout mèdam msye a ou la, kon paket a ou la tri ki pa la. Jamè fache. Kon ni ale la pa di a, gade, se ki son gen la, enteresan. Mwen pou wè ke la pe jwè a mèdam, mwen ben chak moun ki la li ba yon nan. Mwen men li rile mpipo. Nou gen Frè Yvenet Delia, se Bibi. C'est Bibi, il faut venir, il me dit Bibi. Comme si, nous, c'est jeune, je vous dis là, l'évangile, la tête en bas. Le jeune bagaille, parce qu'on dit fait, là, on a fait répétition, nous avons 8 groupes l'église là. Après, tel musicien finit avec tel groupe, on a joué à tout le groupe. Nous avons un staff musicien qui joue pour tout le groupe. Quand on a joué pour ce point, il y a la page, un petit pistache, un grand figue, mais chaque monde dégraine, un grand figue, mais chaque monde petit morceau. Le roi chante, il dit, son Jacques, ça n'est pas capable, ce n'est pas pour sa raison. Monsieur, son monde, normalement, il pas jamais, il toujours prêt pour le fond bagage ou même les gars raison il tout prêt pour demander excuse. Non pas retrouver, non pas se fondi encore. Une musique nous pas voir que monsieur écrit. Monsieur tout quatre villages quatre lumière gonaï au cap monsieur pas courir toute zone avec les États-Unis sans ces cadeau. Non seulement ça a fait tout mais tout petit frère yo même t'ai créé un petit groupe qui les frères Unis Junior. C'est son groupe frère, tout petit frère Franzio, nous faisons un petit groupe frère d'une junior, les groupes, on a transmetté dans le groupe blanc. Ensuite, nous avons les Aximés, petit Boniface Aximé. Il y a un homme qui a fait l'appui la pile pour dans mon évangile blanc, c'est Bonnet Aximé, c'est là, je suis monté faire une méditation, je suis à Grégory Rogna là, il a prêché l'évangile. Kèz Uni lui-même, donc son véritable université. Donc c'est ça. En tout cas, je vais faire nous vivre Kèz Uni Rogna là. Et Frère Baxemio, la demande que monsieur, yo, je m'excuse là pour non, il y a une musique, parce que Franzi lui-même, il te réalise. Merci. Thank you.
parler de Jésus. Chrétienne, chrétienne, sachez qu'il est l'éternel vainqueur. Sœur, qui peut nous séparer de Jésus? Chrétienne, chrétienne, sachez qu'il est l'éternel vainqueur. Sera-ce la fin, la nudité, persécution? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sera-ce la fin, la nudité, persécution? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ma belle bon Dieu en gloire, les mérites sa vraie. Parce que si c'est pas t'li, moi pas ta blague on y a. Si ouais m'a chanté là, ça pas vine de moi-même. M'a fait qu'on est, toute gloire c'est pour bon Dieu. Pas de rien sous terre si là qui vous séparer ma bon Dieu. Non, non. Pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous séparer ma bon Dieu. Pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Quand il va toute vie pour me louer l'éternel. N'importe côté m'passé, moi t'as oui bye parole là. Moi gagne assurance, pas gagne en rien qui casse parem avec bon Dieu moi yon. Pas gagne rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Pas gagne rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Pas de rien qui vous fait virer d'Obali. En voyant ti conscience, c'est pour moi, c'est pour Jésus t'est venu mourir pour te capable la vie. Yo t'es arrêté, li t'es souffri en pile, yo t'es cloué. Nan mi tan de brigand. Pa gen rien sou terre si la ki pou sépare ma bon Dieu. Pa gen rien ki pou fè virer d'Obali. Pa gen rien sou terre si la ki pou sépare ma bon Dieu. Pa gen rien ki pou fè virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Oh non, pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Oh non, pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui vous sépare ma bon Dieu. Pas de rien qui vous fait virer d'Obali. Pas de rien sous terre si là qui Thank you.
and gentlemen, the protocol has been established. I am actually in shock today to be here to pay tribute to a friend. I heard a lot of people been saying so many good things about this man. They said he was a good man. But for me, knowing Pastor Franzi Joseph was not only a good man, but he was a great man. Growing up in St. Regino as a young musician, il était un cœur pour musique, il était aimé musique. Et je pense que ce matin, il y a une meilleure façon pour me payer hommage à Pasteur Franzi Joseph, pas qu'à l'autre que à travers de la musique. Always reaching out on Facebook, même si ça fait quelques temps de paroles pour le dire, Ben Sachs, je suis fier de toi. Toujours des paroles d'encouragement. C'est un monde qui était toujours voulait encourager les jeunes pour aller de l'avant, pour faire plus que ça y a fait, que ça au café. La musique que je vais jouer, c'est It is well with my soul. I'm sure that he was not only, somebody who lost people, but he was a man of God. I'm sure he's in the right place right now. Thank you. Thank you.
nous allons gagner pasteur Job Hippolyte Jean, qui est un compagnon de ministère de pasteur Franzi. Et nous allons avoir une salutation qui va le faire par pasteur Henri Cher-Aimé de New Calvary Evangelical Church. Nous demandons tout le monde, s'il vous plaît. Et c'est bref, parce que l'air allait dans la Merci. C'est avec un sentiment de tristesse et de joie que moi j'ai possibilité pour me prendre la parole dans l'occasion ça pour me parler de yon zami, pour me parler de Franzi. Contrairement à pasteur Yvenet, qui t'est levé avec Franzi, qui vit en couple de frères, qui t'est toujours ami, moi-même avec Franzi, nous pas toujours amis. Nous levé Saint-Louis ensemble, nous t'est connoué souvent, mais nous pas toujours amis. Et me penser, Franzi te connaît plus que me te connaît, parce que on a tout faux bon, yo même yo na marché mercredi. Maman avec papa, à chaque fois que nous pour aller dans l'église chrétienne Maranatha, yo on tiline dans la rue, qu'un ben nous, n'a passé, faut nous passer devant la caille frère Saint-Franc, Franzi. Ak tout famili peut-être ki kapab chita an lèy apre n ap pase monte desann. E m sonje premier fwa m pale avèk Roselor, se premier bagay ke li di m. Li di m mwen pa sonje ou de vizaj, menm sonje lè kolon nan te kon ap pase monte pou al nan l'eglize kretyen Maranatha. Intervensyon de pasteur Franzi jodi a la fèt sou de chapeau. Yon chapeau zamitay, et puis yon chapeau de camarade de travail et de quelques bagages que nous réalisons ensemble. Moi, pas gain intention pour me longue, pasteur Hubert Malo. Mais si toutefois, ouais, me longue, pardonnez-moi. Si vous êtes allé pour 30-45 minutes, M'connais. Il pape ça vraiment. Nous pas toujours amis parce que nous pas promotion, dans même promotion l'école. Nous pas toujours amis parce que nous pas qu'on joue dans même équipe de football. Au contraire, pas en bas qu'on joue le football parce que toujours dit, dommage là, c'est sous continu pour le tomber, les nous frapper. Nous pas toujours amis parce que nous pas de jouer musique ensemble. Et je suis capable de dire que Cœurs Unis, c'est le seul groupe dans l'église Mitzpah que je pas joué la donne dans l'époque Franzi était là. Mais après ça, tout l'autre groupe Mitzpah, moi je jouais là. Moi, je viens commencer à jouer dans Cœurs Unis sous Baguette Evans avec Fadius. Laisse ça, toute promotion ça, tu as quitté Haïti. Moi, songe très clair que moi j'étais bien avec Fritz Maclalo. Et Franzi était bien avec Prisma Clalo. C'était en vacances d'été comme ça, dans Bézig, sous mon nom. Côté que les chaleurs, tout le monde, monsieur, qui était là, ils ont monté sous mon nom, ils prendre bon vent. Et c'est là que nous étions paradis Saint-Louis du Nord. Et un jour comme ça, Franzi monté, et puis dans Bézig, c'est Prisma Clalo qui introduit moi à Franzi, qui vient faire nous bien. Depuis lors, Franzi bien avec moi, nous bien, et bien avec toute famille. Il m'a connu avec toute famille. Nous commençons à évoluer ensemble.
nous réaliser un pile belle bagarre ensemble. Et moi j'ai un slideshow qui t'a dû passer pour montrer nous quelques bagages que nous réaliser qui pas prend temps pendant que m'a parlé. Nous réaliser un pile belle bagarre ensemble. Et yon nan bagay que nous réaliser ensemble, c'est une formation que nous t'al prend Lineville, Alabama en 2012. En 2012, nous rentrons à Alabama, nous prenons une formation dans Christian Leadership and Community Development. Il y a un bagage que nous chaque gagné comme devoir, c'est réaliser un projet pour supporter la formation ça que nous prenons. Pasteur Frenzy a décidé de réaliser un projet par là dans Christian Leadership. Là, nous tournons en Haïti en novembre 2012. Pasteur Frenzy a implanté l'église New Life Baptist Center. 28 décembre 2012. Moi-même, m'a vacillé beaucoup ouais ça pour me réaliser. Même songer que dans un module que nous t'ai pris en formation ça, il t'ai parlé de community development. Et dans module ça, il t'ai parlé de comment une coopérative yo permettre zone yo développer, ou permettre communauté yo développer. Et puis, ma pensée pour qui ça peut me réaliser, et bien, une pensée pour le développement communautaire, pour implanter SOCAM. Alors, il y a une coopérative, bien entendu. Je me souviens, ma enseigné lycée La Menée. Ça fait près de 6 ans, ma enseigné que je n'ai pas une jeune domination. Et puis, il y a un jour comme ça, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'envoyer une compensation pour tout le monde qui a étudié, qui peut nommer. Le ça, il y a au moins un chèque de 48 000 ou bien 58 000 gourdes. Pendant que je descends, je pars de paix, je cherche ce chèque-là, et puis je me réveille, je joins quelques collaborateurs, Saint-Louis, quelques professeurs, je joins Nemchi, Youth, je joins Ginter, et puis pendant que je monte, me songer exactement le rivé mon Miguel pendant n'a descendre pour rentrer Saint-Louis. Me dit monsieur nous est comme ça. On va le faire une coopérative avec. Monsieur pas trop d'accord l'idée parce que yo gagne une petite institution qui te gagne penser mettez une coopérative sous pied. Et dans l'autre des mêmes son nèg, l'autre en me dit ma fond ba, pas gagner qu'à empêcher me faire. C'est même genre avec moi avec Franzy, pas gagner qu'à empêcher nous. Et puis, je me dis, il n'y a pas un problème, nous ne faisons pas nous, on ne fait pas nous. Et puis, nous venons entendre nous. Nous avons un petit frère Néhémi qui est un expert dans la coopérative. Nous partageons l'idée ça avec le comité de l'Église chrétienne primitive parce que l'objectif coopératif, c'était aider l'Église chrétienne primitive avec un minimum juste pour être capable de jouer une bagaille pour fonctionner. Et puis, Néhémi dit, nous ne pouvons pas prendre. Concentrer l'idée seulement dans l'église là, en élargir la communauté. Nous faisons appel à environ 50 jeunes professionnels. Dans tout le monde, ça a 38 qui te répondent présent. Et c'est avec 38 personnes qui sont membres fondateurs de la coopérative. Il y en a qui l'a matin. Et madame, moi, c'était yon na yo. Mon petit frère, mon Caleb, c'était yon na yo. Et il faut dire que coopérative, ça, c'est œuvre pasteur de formation que moi-même avec pasteur Franzi Dalbran. Et puis, dans le débat, nous avons décidé pour nous dire qui moun pour nous choisir comme président coopérative, ça. Jean, pasteur Yves Sotab, dit son ego qui a fait confiance avec l'agent. Et puis, comme étant bons amis, moi, nous dit que nous mettez pasteur Franzi comme président. Pasteur Franzi, président coopérative là depuis janvier 2013. Il a implanté l'église New Life en décembre 2012, 28 décembre, et coopérative là a commencé en janvier 2013. Dans janvier, ça, nous avons commémoré, alors nous avons commémoré le 10e anniversaire. Dans décembre, ça,
New Life t'a commémoré 10e anniversaire. En Haïti, en juillet, moi parlé avec pasteur Franzi pendant que il est là. Il dit moi la recevoir en pile pression pour pas tourner à Haïti. On dit pasteur Franzi, comment ça s'est passé? Pas côté monde qui a dit ou pas tourner à Haïti. Parce que bon Dieu bon travail en Haïti que pour qu'on finir avec. Et me dit les bon Dieu t'a bon visa, il pas demandé personne mon permission. Et même bon Dieu ça que t'es fort jeune visa, même le ou malade qu'on y a pour qu'on tourner, la permet ou tourner à Haïti sous deux pieds. Et puis nous planifier m'entrer ici en septembre étant de Tennessee, nous parler 12 octobre. Il dit que dans deux jours, docteur dit qu'il pourrait la caille. Et dans deux jours, ça, nous avons planifié pour nous tourner à Haïti en décembre, ensemble. Nous avons fait planification de qui ça nous pourrait faire, comment nous pourrait commémorer, surtout 10e anniversaire de l'institution. Et puis, mais ça qui arrive. Deux jours plus tard, ma baissé relé, nous ne pouvons pas rejoindre. Et c'est tout. Subitement, Miss Margaret voit un message ben nous pour dire nous, pasteur Franzi qui a empiré l'hôpital. Et il faut me dire que pasteur Franzi, c'était un bon ami. Et il y a quelques bagages que j'ai remarqué de pasteur Franzi, en plus, mon gars, dit ça déjà. Monsieur Sonne qui a un grand cœur. Monsieur aimait partager. Pasteur Yves dit, seul petit problème que j'ai toujours eu avec pasteur Franzi, il parlait trop. Et c'est ça qui fait, en pile fois, moi-même avec monsieur, nous avons un compte. Ou me dit, on va nous dire, qu'est-ce que entre moi-même avant? Ah, on va arriver dehors là. Combien de gens comme ça? Gonle, moi avec monsieur nous fâché. Et l'autre problème, monsieur Gien encore, il met fort fâché, il est toujours prêt pour y bailler ennemi. S'il dit la fond bagaille, moi-même, toujours un problème. L'aide dit la fond bagaille, il me dit, mon cher, ça pas bon, mais qui ça? Et puis peut-être ça, il tout bon ennemi. Mais il n'y a pas qu'un ennemi. Après ça, la cherche au moyen, la roule pour y venir par là avant, parce que monsieur son aigle qui était sincère. Monsieur, c'était un aigle qui était intègre. Il était un vrai ami. Et Jean, il a toujours dit, les vrais amis sont durs à trouver, difficiles à quitter, impossibles à séparer. Les vrais amis sont difficiles à séparer. Et il y a allé plus loin pour dire la véritable amitié n'est pas qu'elle est inséparable, mais elle peut être séparée sans que rien ne change. Donc, si je ne déconne pas l'anglais, je vais utiliser des mots pour me dire pasteur Franzi. My friend, farewell. M'a pas dit pasteur Franzi goodbye. M'a dit farewell my friend. Just like Horatio Spafford, if you guys know about him, he's the one, the words that we sing all the time in the church, and the word that Ben Sack just played, it is well with my soul. He's the one who wrote this song. And he wrote this song after he had encountered a difficult situation. Just lost his wife. I mean, not this wife. Just lost his youngest son. Just had lost a fortune in a big fire that took place in Chicago in 1871. And he thought that the best thing that would soothe the situation for his family was to take him to a trip in England.
And he decided, he planned everything to send his family to the trip in England. And while they were crossing the Atlantic Ocean, and the boat sank. And he lost his three daughters. His wife was the only one survived the shipwreck. And when she got to England, she sent a telegram to her husband, starting like this: "Saved alone, what should I do?" And he decided to sail the ship to go to England to meet with his wife. While he was on that boat, going across the ocean, Atlantic Ocean, where the boat sank, the captain came to his attention, say, "This is where the boat your family was in sunk." And he was speechless. He was looking at everything, and he started to think, and he began to write this song, "It Is Well With My Soul." Now, Pastor Franzi, I can tell you, rest in peace. I'm not going to say goodbye, but rest in peace. But because I said Pastor Franzi talked a lot, he told me everything about a lot of people, and I've known those people even before I met him. I know too much about Pastor Clairvaux. I know too much about Pastor Caleb. I know too much about Pastor Uberman. I know too much about a lot of family members. So with all the respect that I have for you, Pastor Clairvaux, Pastor Uberman, Pastor Caleb, do not let Franzi's dream die today. He is dead, but please continue to support his ministry in Haiti. Thank you very much. Le pasteur aller, le pasteur qui t'a pris les baisses. Oh, on va prendre. Yes. On va prendre nos lames. S'il vous plaît. Thank you. La paix avec nous toutes. Moi, c'est pasteur Henri Cher-Aimé et le pasteur de l'église Baptiste du Calvaire dans ce Bahamas pour près de 43 ans. Et aussi l'église Baptiste du Calvaire dans Deville Boulevard, ici dans Fort Lauderdale, 3601. Pasteur Franzi, c'est pasteur non reconnaître, pas pour un pile temps, mais non 20 ans mi 2008, de un grand somme qui est décédé, qui vient visiter Nassau, qui est décédé. Il aime chercher toutes les formations. C'est ancien membre de l'église Baptiste Montabor, la Croix Saint-Joseph, côté moi prendre naissance et pasteur de ma ville de la France qui était présenté. Moi, c'est un ancien membre, IEBH. Eh bien, les moi te joindre pasteur Franzi, me connaissait l'île, te fait moins possible pour nous être capable de joindre BMN Visa. Pour l'entrer dans Nassau, pour te chanter en tellement grande somme qui s'est ludi, cher aimé, Métilien. Il y a une petite fille là, nous avons décampé, c'est une nièce moi, et là, merci. Eh bien, nous venons rencontrer, nous parler ensemble, Madame Lirele Margaret. Et moi, je viens Madame Pamtourele Margaret Bouquet, cher aimé. Nous venons gagner en amitié ensemble. Tout temps passé dehors, nous toujours parlé. L'église Montabor, la Croix Saint-Joseph, dans Port-de-Paix, nous fait trois croisades dans le marché la Croix. Et Pasteur Franzi, toujours promoteur, croisade ça y est, et chercher un homme perdu pour les seigneurs. Nous avons un résultat croisade là presque en samedi. En jeudi et samedi, nous faisons près de 24 mariages. Pasteur Franzi toujours encouragé.
Je dis, pasteur Franzi, je ne peux pas mélanger avec UBH, parce que je suis petit UBH. Moi, toujours fait croisade dans le pays d'Haïti à travers le pays, chaque fois conférence finie dans Beraka. Alors, au nom de l'église baptiste du Calvaire, Nassau, que moi dirigé, au nom de UNESEM, qui c'est l'Union des églises baptistes du Calvaire pour l'évangélisation du monde, au nom de l'église Calvaire, qui est dans Forte de l'Aile, au nom de la famille chère aimée, nous souhaitons avec toute famille du courage. Bon Dieu, c'est lui qui te bat mat avec Marie courage dans la mort là ça. Lui va ben nous même courage ça. Nous les remercions avec les pasteurs qui te ben nous opportunité pour nous être capables de saluer nous espérer que famille va avoir force qui nécessaire. Songez, pas oublier, dans Apocalypse 14, verset 13, Jean t'a écrit, parole ça, pour dire, bénédiction pour les gens qui mourent dans Jésus-Christ. Travail, vous êtes confère, la suivre, juste dans le ciel là. Parce que Franz dit, pas là avec nous sur la terre, mais travail qu'il t'a fait pour le Seigneur, la prouille, jusqu'à ce que l'arrivée devant papa. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Passez une bonne journée. Nous gagnons Madame Milda et Jérôme. C'est Madame Pasteur Inol, Jérôme. Et Milda, c'est cousine. C'est Franzi. On va adresser des remerciements. Bonjour à tout le monde. Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement pour assister la famille dans ce moment difficile où notre cher Franzi est enlevé à notre affection. Merci pour vos supports d'ordre spirituel, moral, financier et physique. La famille vous en est très reconnaissante et vous dit, soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Faites en sorte que la couronne de justice vous soit réservé. Nous remercions d'une façon spéciale la veuve Margaret George Joseph pour les 25 ans d'assistance et de souffrance dans leur vie à deux. Merci, Maga. Un grand merci à Armide, Igo, Suze, Roselore, pour leur engagement inconditionnel. Merci à la congrégation de l'Église La Rédemption. Merci à Pasteur Hector, Pasteur Clairvaux et tous les membres de cette dite assemblée. Un merci spécial. Oui, à Pasteur Iberman aussi. Et un merci spécial encore à tous et à toutes qui ont fait le déplacement encore pour aider la famille au cours de cette rude épreuve. Merci beaucoup, mille fois merci. Et à l'instant, nous allons écouter chorale l'église là, qui pourra aller interpréter mes mots. La vie est pleine de mystères. Bagaille que nous n'avons pas à comprendre, que le Seigneur lui-même n'y fait.
le pourquoi de la vie. Ce n'est pas de pourquoi, non? Pour qu'il soit un jeune garçon, plein de vie, qui est utile à la société, non? Il doit déplacer comme ça. Peut-être un jour, le Seigneur, s'il voulait, l'a dit nous pour qui ça. Parce que tout ça le fait, le bien. Non, on voulait prendre quelques secondes pour nous dire à la famille Joseph, le Seigneur pas plagué nous. C'est nous qui l'avons. Il y a une belle réunion qui est pour faire. Il y a un côté pas gagné au revoir, pas gagné séparation. Papa nous, maman nous, c'est le monde qui servit bon Dieu. Frère nous, servit bon Dieu. Nous souhaitons nous servir bon Dieu. Prends l'évangile au sérieux. À Sœur Margaret, nous voulons dire, nous d'ailleurs. L'église baptiste de la rédemption pas plagé. Ça nous a commencé avec pasteur Franzi, nous avons doublé ça. Simplement nous demander de la bonne gérance des affaires bon Dieu. Mais nous d'ailleurs. Nous ne pas plaguer. Nous choisissons aujourd'hui pour que pasteur La Rose, c'est lui-même qui prêchait à cause de l'affinité que lui gagnait avec pasteur Franzi. C'est un intercesseur pour pasteur Franzi. Depuis qu'on réunit au comité qui a parlé de ça, il toujours voulait nous mettre plus dans sa cabaye. Toujours, il aime pour dire pasteur Franzi dans la zone où on ne peut pas être avec lui, toujours. Et c'est lui-même qui représentait pasteur Franzi dans la rédemption. De ce fait, à cause de la fierté que vous gagnez, moi je dis bon, et je dis assez vous pour prêcher. On nous fait cramper pour date nos chita, m'a fait lecture, côté pasteur La Rose pour le prêcher. Jean chapitre 11, verset 17 à 27. Jésus étant arrivé, trouvera que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Amen. Amen. Avec nos pasteurs, Huberman La Rose, dans le message. Frères et sœurs bien-aimés et amis, petit message aujourd'hui, c'est une question que lié. M'a posé en anglais parce que m'a viré question en façon côté c'est seulement en anglais que fait sens l'embral viré là. Question c'est why do bad things happen to good people? Bad things, good people.
C'est en effet le titre d'un livre écrit par David Arnold avec sous-titre « Réponse aux plus grandes questions morales de la vie ». Permettez-moi de dire d'abord que question est mal formulée. Parce que question mal formulée, parce qu'en réalité, pas gagné good people, vrai. Pas gagné ça. Il y a un monsieur qui était un docteur de la loi, qui était approché Jésus. Il dit, Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie? Jésus dit, monsieur, mais pourquoi ils sont les mots? Puisque seul bon qui est, c'est bon Dieu. Il y a un monde qui sautait sous verset ça, puis il dit, ah ouais, Jésus, pas reconnaître que c'est bon Dieu lié. Non. Pas oublier, monsieur a dit, bon maître, a dit bon professeur, bon teacher, bon rabbi. Jésus dit, bon avec un être humain, pas marche ensemble. Seul mot que bon marche avec lui, c'est Dieu. Ainsi, Jésus dit, si vous considérez-moi comme un simple homme, pas mettre bon, bon côté, parce que seul bon qui gagne, c'est Dieu. Maintenant, si vous connaissez Dieu mieux, vous mettez bon avec lui. Donc, Jésus n'a pas nié divinité, mais il te corrige au monde qui comprenne que vous n'avez pas sous la terre qui aurait les bons mondes. Ça n'a pas existé. La parole est que la Bible montrait que ça n'a pas existé. Romains 3, 10 à 12. Il dit, il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous se sont détournés. Tous ensemble, ils sont devenus pervers. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Ainsi, pas gagné bon monde vrai. Et si pas gagné bon monde, nous pas commander pour qui ça mauvais bagay, rive bon monde. Non. En tant que pécheur, que ni vous, ni moi qui parle là, ni nous tout nous y est, nou merite tout mauve bagay ki rive nou yo. E pi bal nan tout mauve bagay sa yo, se lan mo. E se konen nou merite l tou? Paske la Bible dou, le saler du peche, se la mor. E sa ak fe, Salomon te di, y a-t-il un homme ki puisse vivre et ne pas voir la mor? Moun sa, se ta moun ki ta di, mwen san peche. E ben, la mort, c'est le salaire du péché. Qui fait? L'homme au mauvais bagay rivo. On lui a dit, pour qui ça, moi-même? Non. Il y a une façon qu'il y a des questions, oui. Ou regarde, pourquoi? Non pas P-O-U-R-Q-U-O-I, un seul mot. Mais on a dit, pour quoi? C'est-à-dire, dans quel but? Pour qui ça, Seigneur? Ou qui est-ce arrivé? Mais qui le sont qu'on voulait enseigner là-dedans? Fwè mak semen, lè la vi a di, tan kou jan di pou nou la, lè nou vizite par l'adversite, nou dwe komprende ke se pa mouve bagay ki rive a de jan de bien ke nou paye, men se mouve bagay ki rive a de moun ki pa bon e ke nou ye. Et puisque nous faisons que pas gagner bon monde, on doit essayer de poser des questions en l'autre façon. Et comme je l'ai dit, je le pose en anglais, il n'y a plus fait sens. Et c'est peut-être ça, on va retourner avec formulation en anglais de même question. Why do bad things happen to not good people, but God's people? Est-ce que nous voyons ça? Why do bad things happen to God's people?
Parce que si bagay good people, heureusement, gon bagay ke yorele God's people. Gen yon bagay yorele le peuple de Dieu. Moun sa yo, se pa moun ki bon nan yo menm. Men se de moun ki te justifiye, deklare juste, deklare saint, deklare san peche, parce ke yo te mette konfians yo nan Jésus-Christ et nan Jésus-Christ li seul. Et le sang de Christ ki te koule sou kwa, li lave moun sa yo, li purifiye yo, li propte yo, li justifiye yo, epi yo prezante devan moun Diyo. Moun Diyo di, these are my people. Alors, pou ki sa mouve bagay rive pep moun Diyo ya? Nou pata espere ke moun sa yo mouve bagay ta rive yo. Paske pitit wwa, pa vre? Ki sa pou ta nou rive pitit wwa? Pitit wwa gen proteksyon. Nou pa ta espere ke mouve bagay rive pitit wwa. Nou ta espere ke moun sa yo doule, soufrans, tet chaje, lan mò, maladi, ta kouri lwen yo. E pou ta se pasan nou wè. E Jezu ki pa jom pran moun nan pa kompran, ki pa jom gen fine print nan kontra ke l signe avèk wè, li toujou dout tout bagay, li di, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ou un problème, non? Jésus-Christ dit ça, non, dit Jésus-Christ, je vous rappe jouer. Et puis, les problèmes yon vini, les tribulations yon vini, et le pardon sou ki fòm yon vini, non? Le pardon sou ki fòm yon vini. Yon vini sou fòm sa, sou fòm kouzen ou, sou fòm mari ou, sou fòm frè ou, sou fòm zanmi ou, kolaboratè ou, kontrèman pil, ke ou ta rabay tout sa genye dan le moun pou te kebe lan vi, e poutan, li glisse nan mè ou. Li glisse, li soti nan mè ou. Pou ki sa yon mouve bagay tankou lan mò franzi, rive malgre tout priyer, tout suplikasyon, tout tan pri souble, ke nou adrese bay bon Diyo. Frè Maxime, mwen mkapap do, ke mwen kriye tankou ti moun. E se pa un fwa, non? Ni de fwa, ni 10 fwa. Mwen rele devan bon Diyo. Di bon Diyo, fè nou grase, nou tan pri papa. Ban nou franzi nou, seigneur. Epanye la vil nou, papa. Fè ou mirak nou. Nou supplie li. Avèk parol kantik. Une nasèl an silans. Ki di, mè, tou mirak la, tè posibl, sauve franzi, nou tan priyon. Mè, kontrèrman a sa ke auteur kantik la di ke l te fè. E kontrèrman a sa ke l te fè nan histwa biblik kote kantik sa te inspire, kantik sa te inspire de li ya. Jésus pa te leve, non? Pou l te di avan tempèt kanser, le semi sa, loukimia, tè toi, el pa te kalme lan mè, lan mè lan mò. Au kontrèr, voasi ke ti kanot la vi franzia, lan mè a detwi li. Se kom si le moun dan l'anver, nes pa? E se la ke fwa kretien li eprouve. Paske nan chante a nou mètre, etu donk insensible? Tu le vwa? Nou perison? E kretien li ve nou pwen, kote fwa li, vin takou
yon bagay ki suspendu a un fil prèt pou l'kase. Parce que l'ikone l'observe yon Dieu tout puissant. Ki son patakaban mwen la, Seigneur? Ou te leve Lazare? C'est le cas de dire avec l'auteur de chanter ça que chorale là, saute chanter hein? Prière encore sans réponse. L'aime de prière encore sans réponse. One more prayer that goes unanswered. Qui pas je réponse. Pour qui ça? Mauvais bagay. Rive pep bon Dieu. Ki dem repon nou pou nou mba konen? Mba konen? Petet se pa reponsan tap tan don pasteur, hein? An fom tal le nan seminer, mdi a, mon chè, lem sot nan seminer, mab gen reponsan tout kestyon. Mwen toujou di, mwen entre avèk mwen boat de 100 kestyon, mwen soti nan seminer avèk mwen boat de 1000 kestyon. E apre 35 an de minister pastoral, mwen toujou, se plus map viv, plus la vi ap paret difisil a eksplike pou mwen. Surtout la vi avèk Diyo. La manche avèk Diyo. Fwè Max Samoyo, se pa mwen msel, lank pa ronè. Paske, jan bon Diyo agi, sa ou lo, le vwa de Diyo V-O-I-E, S, se pa la vwa V-O-I-X, non ? Ke nou pa toujou tande tout d'ayè, by the way. Me le vwa, V-O-I-E-S, the ways of the Lord. Le vwa de Diyo son misteryeuse pou tout moun. Pa ki te moun blofè ou pou fò kompran ke yon mèm yon kon bon Diyo nan poch yo, jamè. Genye l'auteur de se chan, ken sot chante ya, kou ala sot chante ya, ki te ekri se bo poèm. Dido, la vi e plèn de mistèr, de vins élan ver la lumièr. Ou apè se volè pou al jwen la lumièr pou tombe. D'espoir tombe dan la poussièr. Et Dieu seul konè poukwa. Prière ankor san repons. Bo rêv okèl le kèr renons. Nouvel épreuve ki s'annons. Un voile couvre toute chose. La fleur se fane a peine éclose. La pale de ti moun ki fèk fèt, epi ti moun nan pou mouri apre yon jou, yon semen. Sa k fè, lè nou gen yon ki vive 52 ans, mes ami, kont lè bienfè de Diyo, paske gen pi mal basè sa. La fleur se fane a peine éclose. La ba, sa vè dir, nan simtièr, pa dro loin, un etre aimé repose. Lise la nuit m'enferme, sa ve di, li fè noir autour de mwen. Mè k'importe, Dieu tiè la clé de chak porte. Le jour approche ki m'apporte la réponse a mè pourquoi. Et puis refrain d'où j'attends le jour où tout s'éclaire. Au plan d'amour de tendre père, sa vue, le marouel, la fè nom, la fè fwam vini kler, la fè m kompren tout bagay, an se jou, je sore poukwa. Dok pou m sa montro, ke bagay moun ki konen, pou ki sa, san mi, m baga konen pou ki sa, mouve bagay, rive pep bon Diyo. Pou ki sa pa se frenzi, yon nom si implike dan le servis de Diyo, si plen de kompasyon pou les enfans nesesite, si charitable envers la déshérité du sort, si aimé par sa femme, par ses parents, frères, sœurs, cousins, cousines, si aimé par les fidèles de son église, baronne, pour qui ça y a un homme d'un coup, monsieur, ça? C'est lui-même qui doit quitter nous si vite et de façon si brusque, si inattendue. Cependant, si m pa komprende pou ki sa bon Diyo nan souverènte li, e m toujou e le mò souverènte pou moun ki abitue avèk mwen, m goun mò ke m fè pou li, gran moun te. Bon Diyo gran moun, ba vre?
Sou pat kon sa, apren sa, tande? Bon Dieu, grand monde. Et nan grand monde, bon Dieu, ya, ou kapap mande l'on bagay, li dou non. Parce que l'te di non a son fils Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Le Jésus vini, li di papa, s'il possible que coupe sa à loin. Et puis dou non, pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Ou pas qu'il y a une grande foi dans mon Dieu. Mon Dieu dit de bouger la foi. Oui, la foi plus la volonté de Dieu égale exaucement. Pas jamais lié ça. Les baguens dans l'équation, question volonté mon Dieu, frère moi, soeur moi, gardez-nous. Ou gardez foi, ou gardez qui toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Mais si mon Dieu dit non, et le serviteur, l'esclave, parce que le mot serviteur, c'est ça que je veux dire, esclave. Le mot servante, c'est esclave que je veux dire. L'esclave de Dieu, je suis l'esclave du roi, dit le chant. L'ibarien, l'autre bagaille, c'est que ta volonté soit faite. Ou ap crier, oui, m'a caché d'où. Dit à mon maman, m'a dit, bon Dieu, que ta volonté soit faite. M'a senti, oh l'éternel. Mais guess what? Ou bien ou dit ça, ou bien ou fait mal dans Job. Ou maudit mon Dieu. Dit bon Dieu, mon cher, tel bagay pour vous. Et puis, ou continuez la vous, parce que bon Dieu, ça va exister. Ou bien s'il existait, l'important. M'baka, j'ai dit, ça, t'en parles avec toute tentation, ça y est devant nous, pas vrai? T'en parles venir avec ça, pour Margaret. Li pral dou men, sa te komon nou ta fe la, ou te met konfians ou nan bon Diyen kon sa, ou te ap fe jo fete pou ate ma yi, ou pal la go, la pal pran poz zami ou, la pal pran poz kom si li sensibou, sa ta para sensibou moun, Job para sensibou moun, lo we Job pran poz, li sensibou moun, se lo la plo lo pou lka de la la ou, e son komon ? Et là, ça, avec la force que l'Esprit de Dieu a baou, on me dit, arrière de moi, Satan. On me dit, même parole que Job de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Moi, de mon Dieu, ça, la force pour Bali, yo louange sous crédit de carte. Parce que lò foun barè sou kredit kat, avò kon pou kon mè mwen kon obal peyèl. Mon fèl sou kredit. Bon Dieu gran pil kredit, dande? Fè bon Dieu kredit, a di Seigneur, ba la fè mal, li komprenn sa, paske Jésus pleura, Jean 11:35. Mè pa kite adversè a. Lè se komprenn? Nan histwa ki sot li pou nou la nan l'évangil de Jean, nou, wè, ouais, Marie, ke lorske, pardon, Jésus apren par Marie e mort ke zanmili Lazare te malade, li di, ah, maladi sa, se pa pou nan man nan, e se pou gloa bon Dieu. Se pou ke pitit bon Dieu a kapab glorifiye. Sa ki pi surpren nou, c'est que les Jésus finent recevoir 911 call ça. La Bible dit nous l'était encore deux jours côté le théier. Vous comprenez ce que ça a fait? Là, on prend deux jours que le théier a fait pour le sortir côté le théier, pour aller côté Lazare, ça fait quatre jours. Qui fait? Les mortes, les rivées. Mortes accueillent Jésus en parole. C'est pas parole douce, hein? Parfois nous lit texte et puis nous parlons de ce qu'il y a. Li di Jezi, sou te la, frem nou va nan mouri, non? Ou, an do te dem, kon sa sa vle di? Yeah, we are late for the cemetery. I know, but I have to say the word of God, right? I'm sorry. Eskouze mwen pas. Se pa ou m di sa? Asem kon nou, ou transmet mwen mesaj la? Ben, should I stop? I do. Ok, bon. Salman sa mam zi ou serman.
Marthe te reproche Jésus. Mais elle pas viré d'eau par Jésus pour ça. Au cas d'un moment où côté senti ben yo du beau. Jésus assez grand. Vous aimez bien, oui? Pour lui encaisser. Yo ti bougon de Jésus. On a fait ça, non? Jésus assez grand. Mais pas rivé dans point pour aller virer d'eau par Jésus. Ok? Ou est Job? Job, dans le commencement épreuve là, Job te gon attitude exemplaire. Mais si vous continuez à lire le livre, ou après monsieur sombré dans une série de dépression, côté monsieur maudit, monsieur même maudit le jour de sa naissance. Mais jamais, il n'a pas traversé ligne. Il didn't cross the line to curse pour le maudit le Seigneur. Que bon Dieu aide nous. Que bon Dieu aide nous, soeurs, frères, amis, qui perdent cousins, cousines. Nous sommes là dans eux. Pasteur Hector Clairvaux, c'est nous là dans eux. Nous perdons. Que bon Dieu aide nous. Pour nous capables qu'imbé. Et pour ne pas chambay Satan, ça l'a cherché. Savoir, maudit bon Dieu, que mon Dieu bénisse nous. Non pressé par le temps, non pour aller prier et prononcer bénédiction. Et ensuite, on va relayer Emmanuel Funeral Home pour qu'il soit capable de venir, pour qu'il soit capable de finir avec ce service-là. Combien de fois nous ensemble avec moi? Seigneur, parole au fait nous connaît où son refuge, yon appui, yon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si il y a autant de détresse que mon cas connaît, c'est dans la mort, il y a un monde qui cherche à vous-même. Seigneur, vous comprenez l'état d'âme peu à peu. Vous connaissez exactement la douleur qui nous entraîne. Vous n'êtes pas un Dieu qui est sensible. Parole l'a dit, vous êtes un Dieu qui est compatissant. En d'autres termes, vous compatira nos problèmes. D'ailleurs, tu as montré nous, malgré le pouvoir que tu as gagné lorsque tu es sur la terre, tu as pleuré avec Marthe et Marie. La Bible a dit Jésus pleura. Pas parce qu'on a gagné le pouvoir, non. Mais on comprend la douleur que le monde est capable de connaître face à un être cher qui est déplacé. Ça a demandé au Seigneur, c'est by force et courage à bien aimer ça. Qui a traversé épreuve ça. Nous connaissons dans les jours à venir, bagaille qui est plus grave. Lorsque l'absence ça, la paraît vivante. Dès que madame va le coucher seule, appel téléphonique, pas vini. Mais nous comptons sur nous-mêmes, qui fait nos promesses, on va avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Ô Seigneur, fais petit yo senti présence avec yo jusqu'à la fin. Nanon Jésus Sauveur, nous prier. Amen. En nous camper pour la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance et de la consolation qui vous a appelé à sa gloire éternelle vous fortifie. Qu'il répande dans vos cœurs sa paix qui surpasse toute intelligence. Afin que vous abondiez en espérance jusqu'au retour de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ, à qui, comme au Père et au Saint-Esprit, appartiennent tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. You may be seated, Mr. Chita, and we're going to call Emmanuel from your home to finalize the service. Je rends gloire et honneur à l'Esprit de notre Dieu. Je remercie le révérend pasteur Hector d'avoir fait choix de nos entreprises, les entreprises Emmanuel, pour les préparatifs de la dépouille de pasteur Franzi Joseph. Nous comprenons vos douleurs. Nous remercions également le pasteur qui a procédé au discours qui nous donne tant de leçons vis-à-vis de pasteur Franzi. Vos douleurs sont vraiment profondes, vos tristesses immenses. Mais vous savez, la mort donne aux mourants le titre de possesseur des âges infinis. Newton, dans Grâce infinie, il dit: au travers des temps infinis, le chant de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. De sorte que la mort doit être considérée comme une grâce infinie de Dieu pour le pécheur qui croit à la vie éternelle. Pour terminer mon discours, il y a un poète dans un poème intitulé « Les yeux du souvenir », voilà ce qu'il dit. C'est une chose triste à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces midis d'incendie, ces jours de bonheur, la nuit étrange et noire aux déchirures sombres, rien ne passe après tout si ce n'est les passants. Il y aura l'eau et la rivière. Je dirais malgré tout que ma vie était belle. Je dirais malgré tout qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur les lèvres un seul mot que merci. Je dirais malgré tout que ma vie était belle. Telle aurait été, je pense, les paroles que Pasteur Franzi aurait dit si toutefois il était encore vivant à l'occasion de cette cérémonie d'adieu. De la part des entreprises funèbres Emmanuel et à mon nom personnel, Docteur Dimanche, je présente à la famille éplorée mes profondes et mes sincères sympathies. Bien que la mort casse le cœur, entraîne le deuil, la tristesse, le chagrin, mais grâce soit rendue à Dieu, la mort donne aux croyants le titre de possesseur des âges infinis. Que Dieu vous garde et qu'il vous console. Merci. Maintenant, je pense que Frère Fritz a quelque chose à partager aux familles éplorées. Naturellement, il est avec nous. C'est très rarement que Frère Fritz soit là parce qu'il est trop occupé. Il est le directeur général des entreprises funèbres. Frère Fritz.
Bien, merci. C'est maman, Franzi, qui voyait belle fleur, ça veut dire que l'a toujours demeuré dans la Kearney. We remain always. Thank you. A golden heart. Stop breathing. It is always to show our goal. Only the best. Rest in peace. You will always be in our hearts. We'll never forget. From Pastor Frenzy. Soka. Soka. Thank you, Bas. Soka. Our dear brother, your sudden departure leaves us a void in our heart that no one can fill. Knowing that you are in a better place gives us strength to go on. We'll meet again one day. Love. Suze, Roslyn, Rosland, was Myrta, Abed, Amos, Shadrach, and Roberson, Joberson. From Juventus AS, with love and sympathy. And the Frère Hugo, et sa femme Linda, with love and sympathy. De la famille Josué. It's hard to accept that you are no longer with us. We thank God for an angel like you. Your mission is over, and you go back where you came from. We're going to miss you always. Love. Chalet et de la famille Josué. Comme il est entre vous et Emmanuel pour finir comme nous étions pour commencer, quelque chose pour vous dire maintenant que cette cérémonie d'adieu est terminée. Nous avons demandé au cortège pastoral et à la chorale de descendre. Nous t'aimons attirer attention à tout le monde qui est avec nous. Après enterrement, famille l'attend nous ici dans la salle de réception, rédemption, pour que nous capables de prendre un rafraîchissement et nous demander que nous capables de retourner et ici dans l'église là. Pour la dernière vue, c'est à la porte. Nous pourrons faire ça en ordre. Nous pourrons aller sortir avec ce cueil-là. Et nous pourrons l'ouvrir pendant que nous pourrons dans la machine. Nous sommes capables de gagner une possibilité pour une dernière vue. Pas camper trop. Une fois qu'on passe au garder, et ça est capable de permettre que pas gagner un embouteillage dans la bière. Tout le monde rete chita. Et nous pourrons faire que nous sortions avant. Famille a sorti d'abord. Famille a sorti d'abord et ensuite va gagner l'autre monde. Famille a suivre. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Famille a sorti à suivre ce cercueil-là et ensuite nous-mêmes qui après nous va avoir possibilité pour que nous allions.
chers téléspectateurs de Celluino TV, de Guillaume Radio 1, Fusion Live et Radio Ambiance, Lexan Complexe et toute fatigue qui a suivi nos contents pour nous ensemble avec nous aujourd'hui là, nous du côté de Pompano Beach, dans le cadre du dernier hommage de Pasteur Franzi Joseph qui était fait le 3 février 1970 et lui-même qui était mort notamment 22 décembre 2020 lui-même, lui-même à l'âge de 52 ans et nous-mêmes nous présents ici hein, et côté Napsal et tous les téléspectateurs de New York vraiment qui a fait nous un peu partout nous avons le privilège pour nous ensemble avec nous Serge Delia, connu sous le nom Dombicha et nous présents aujourd'hui là et qui ça pousse aujourd'hui là qui fait que vous présents dans finir ça. Je peux dire que je salue tout le monde salue du Nord et puis toute radio et puis télévision qui branchait. Je peux dire que exactement que c'est un ami de la, je suis un ami de la famille et en plus tout et ami de l'église, c'est mon pasteur tout. Je peux dire aussi que en termes de sport, c'est mon dirigeant. Donc on a dit que en termes d'un conseiller tout, pasteur Franzi c'était un conseiller à moi. Donc l'équipe monte tout, je suis tellement fait bagarre dans celui du Nord, pour le Nord-Ouest, je pense exactement que c'est vraiment important pour moi-même en tant que Serge, pour tout ça que lui fait pour le Nord-Ouest, pour Saint-Louis du Nord et particulièrement pour la Juventus ASSL. Donc c'est sûr que moi obligé de venir là et c'est pas moi-même seul, je suis honnête là tout. Et pour nous justement sur mon coup de télévision qui c'est et Guy Wewe qui c'est à Saint-Louis du Nord TV et en plus tout compagnie Yvette et tant d'autres qui a pour faire retransmission ça, nous vraiment fiers parce que nous c'est Mounsen Lui du Nord, nous obligés de courir Mounsen Lui parce que là on fait un travail qui est légal, c'est important, nous obligés de faire présence nous ici. Merci bien Don Michel. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous Jean-Ounel Fethil, on parle de M. Saola, M. Savant, pile causé dans la cour Saint-Louis du Nord. Et nous avons le privilège de nous ensemble avec nous. Jean-Ounel Fethil, nous content pour nous gagner malgré que ce n'est pas un moment de réjouissance, mais en quelque sorte, nous content et de ce que nous retrouvons aujourd'hui. Saint-Louis du Nord TV, bonsoir. Et Serge, bonsoir. Donc nous, là, aujourd'hui, nous avons un moment très spécial pour nous venir porter support nous à la famille Joseph, là, qui est la famille pas nous tous. Une grande famille Saint-Louis du Nord. Pour nous parler de pasteur Franzi, et nous parler vite, pasteur Franzi, c'est un sage. Il est rare pour jouer de monde tant que pasteur. Pasteur Franzi, nous pourquoi j'aime bien chance ouais côté pasteur Franzi a parlé fort avec monde dans Saint-Louis. Pasteur Franzi, c'est un professeur, son dirigeant l'église, son dirigeant football. Donc pasteur Franzi baille ville pour Saint-Louis du Nord. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui à la Wapoué, tout Saint-Louis du Nord débarqué vin là. Présence avec Serge qui a expliqué ça, présence Wilfried ou bien Saint-Louis du Nord TV qui a expliqué ça, parce que pasteur Franzi te vaut en pile pour nous tous. Merci. Oui, bon, en tous les cas là, et en pile témoignage de pasteur Franzi. Et monsieur lui-même vraiment là, c'était donc un monde qui était vraiment attaché à l'équipe Juventus Santo, c'est lancement. Et monsieur, c'est ça qui m'a appris. C'était une gros dirigeant que tu as gagné. Les bagailles la plus difficile, ou bien l'impression que c'est pasteur Franzi pour aller joindre. Jean-Serge Sotjolan là, pasteur très calme, pasteur gérer les problèmes calmement, pasteur pas chaud. Et pasteur était toujours neutre, pasteur pas pour, il pas contre. Jean ouais tout pasteur sur Abdoula. Son rôle passé, ou doit net, ou va dire un petit peu. Pasteur, il était comme ça. Bon, moi, c'est un bagage que je suis né avec. Okay. Avant d'être pasteur, il était comme ça. Effectivement, et avant qu'il était pasteur, il était comme ça. Mais Jean-Gendoulan là, il y a un pasteur qui doit naître. Ou pas de grand petit groupe, ou pas de grand camp. Pasteur Franzi dit son modèle de Moun Saint-Louis. Son gros modèle, pasteur Franzi dit qu'il était en ligne Saint-Louis que tout le monde doit suivre. Pasteur allait l'équiter en note très positive pour tout jeune qui a plevé Saint-Louis du Nord. Ni pour le monde qui a vu un pasteur. Jean-Ounel, nous sommes vraiment contents pour nous avoir sur Saint-Louis Nord TV, GOEA et tous les médias partenaires. Et bon, nous saluons tous les médias partenaires et nous félicitons Saint-Louis du Nord TV pour le bel travail qu'il a fait. Wilfried, bravo et continuez. Merci bien. C'est donc Jean-Ounel Fethil, Don Bichaï, nous sommes contents pour nous être ensemble aujourd'hui. Dernier mot que je cap dit que Serge, le capitaine Jean-Ounel, le capitaine Serge, nous venons là pour justement représenter pas seulement Saint-Louis du Nord, mais pour nous dire que Juventus et puis ASSL, que nous là, nous présents pour nous
représenter tout dirigeant et tout joueur qui n'ont pas vraiment de possibilité pour ta présenter là, nous représenter pour nous dire que Pasteur Franzi, vous avez fait un très beau travail. Merci parce que normalement, si le Nord-Ouest, nous avions en quelque sorte monté le Nord-Ouest en première division, c'était grâce à toi parce que tu es là pour t'aider nous. Le 4 février, nous l'avions fait, 2009, Pasteur Franzi, il était là. C'est lui qui justement est là comme mon motivateur. Nous disons, Pasteur Franzi, que reposez en paix. D'accord? Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment contents et pour nous être ensemble avec nous jeudi. Et surtout jeudi, là, nous donnons au maïs à Pasteur Franzi Joseph. Et nous avons un peu de monde qui est arrivé faire le déplacement. Et nous avons ouais, Maître Dieucel Alexis. Et nous avons notamment et Maître Jean René. Et bien Francis la France, un peu le monde, mon marché mercredi, mon Vertis, mon Desgranges, mon Forge, mon Zabrico Balatier, et nous avons mon Safolé, nous avons mon Villasso, et des gens qui sont sortis pour des pétou qui étaient présents. Et nous vraiment là, nous avons un peu le monde vraiment là qui était présent, mesdames et messieurs, dans le cadre de Maïsa à Pasteur Franzi Joseph lui-même qui était fait. 3 février 1970 et les mêmes qui décédaient 22 décembre 2022. Et la première, c'est tous les téléspectateurs nous, vraiment, qui t'a suivi de près ou de loin. Et nous avons un gros chapeau à notre, notamment des amis, ingénieurs, Stanley lui-même, vraiment là, qui t'a fait un travail impeccable. Je dis à. Merci bien à tout le monde. Nous respectons après, nous venons souper. Ciao. Allez.